Yo, jour 6. Pourquoi c'est pas terminé? Bon, je rage, mais je rage vraiment, là, je suis éclaté. Ça faisait 3 jours. 3 jours que je faisais des oversleep en phase 2. En phase 2, je dormais entre 2 et 4 heures. Et j'arrivais pas à rester éveillé, en fait. C'est... Genre, je me réveillais. Je me disais, bon, allez, il faut que je me lève, et après, blanc, et je me réveillais 2 heures après. Donc, finalement, j'ai enfin réussi la phase 2 aujourd'hui. C'est plutôt bien passé. En plus, ça, j'étais en forme, j'étais. Même comme la phase 1, j'étais assez en forme. Ah, putain. Et là, c'est à la phase 3 que je rate. Pourtant, je m'étais réveillé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Et du coup, bravo, bah, je vais être éclaté jusqu'à la prochaine phase. Parce que là, il est 11h30. Je vais pas faire celle de midi, c'est débile. Donc jusqu'à 16h, je vais être éclaté. Enfin, j'espère que ça va se calmer un peu, mais c'est relou. C'est relou. Je vais voir si je peux m'acheter un réveil, je sais pas, un truc un peu plus puissant. Parce que là, ça fait vraiment chier. Enfin, voilà pour le jour 6. On verra plus tard comment ça évolue. Allez, ciao. Jour 6, phase 6, il est 20h40. Phase 6, la meilleure phase, je dirais. Vraiment, je le remarque vraiment. La phase 5 et la phase 6, elles sont vraiment sympas. Il reste toujours la phase 1, 2 et 3 qui sont un peu dures encore, hein. Encore ce matin, ça faisait quoi? Ça faisait 3 jours que j'arrivais pas à faire la phase 2, qu'à chaque fois je faisais un oversleep à la phase 2. Et là, ce matin, j'ai réussi la phase 2, enfin. Mais j'ai oversleep la phase 3. Donc rip total, c'est pas grave, on continue, écoute, je vais essayer ce soir de... Enfin demain, phase 1, 2, 3, je vais vraiment essayer de... Dès que le réveil sonne, je saute du lit, je saute direct. Si je suis crevé, je sors dehors direct, je vais me promener, je vais marcher comme j'ai fait ce matin, c'était vraiment pas mal. Il y a un truc que j'ai pas dit aussi depuis le début, à chaque fois que je vais me coucher, enfin, j'avais lu un truc comme quoi on dormait beaucoup mieux quand les yeux n'étaient... Quand il n'y a pas de lumière sur les yeux. C'est ce que je fais du coup, c'est que je prends un t-shirt et je me le cale comme ça sur les yeux. J'ai l'impression que je suis dans le noir en fait, donc c'est pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Autre chose. Oui. Le nap de la phase 6 là, j'étais vachement étonné parce que. Donc d'habitude je programme en fait, je me couche vers. Je me couche pile, à l'heure pile, et je mets mon réveil à 25 minutes. Donc minuit, minuit 25, 18, 16h, 16h25, etc. Et là, je me suis couché plutôt vers. Allez. Vers 20h02 à peu près, et je me suis réveillé à 16, naturellement, assez en forme. Je me suis vraiment endormi super rapidement, celui-là, je sais pas pourquoi, je me suis endormi vraiment hyper rapidement. Et je me suis réveillé à 16, donc j'étais vachement étonné, je me disais, mais ça fait que, ouais, ça fait à peine 15 minutes que je dors, et je suis déjà bien réveillé naturellement, les yeux ouverts. Donc c'était pas mal, donc, je suis quand même resté dans mon lit, histoire de, voilà... Rester posé parce que je sais pas trop si c'était juste. Enfin, je sais pas trop si je serais fatigué à cause de ça après. Bon, on verra bien. Donc, petit récapitulatif. Au fur et à mesure que les jours passent, je remarque vraiment que la phase 5 et 6 sont vraiment bien. La phase 4 plutôt toujours bien. La phase 1, 2 et 3 sont toujours très. Enfin, phase 1, c'est un peu chaud. Phase 2 et 3, c'est toujours très dur. Donc soit c'est la phase 2, soit c'est la phase 3. Il va falloir que vraiment que je travaille là-dessus. Et je remarque aussi que j'arrive jamais à faire un nap à la phase 1. Donc à minuit, je ne sais pas pourquoi. Je dors jamais. Enfin, ça fait 3 jours que j'ai pas réussi à dormir au nap de minuit. Donc ça commence à être relou. Je verrai bien ce soir. J'espère que ça va marcher. Parce que bon, je suis sûr que c'est à cause de ça que je suis crevé après à la phase 2 et 3. On verra. On verra, on verra. Allez, c'est tout pour ce jour 6 et on se retrouve pour le jour 7. Allez, ciao!